retrouve Bernard Laporte avec ses joueurs à quelques heures du coup d'envoi. Mes très chers joueurs, mes enfants, vous le savez, on est au bout du chemin, enfin, surtout vous. Alors, y a-t-il une vie après ce match? Y a-t-il une vie après une manchette de Rocosoco pleine poire qui éclate tous les os du nez? Y a-t-il une vie après un raffut dans le plexus? Je n'en suis pas sûr, mais je le souhaite vivement pour vous. Bernard, c'est très défaitiste, ça, comme discours. Non, c'est réaliste. Demain, ils partent à la guerre. Ils doivent savoir que beaucoup ne reviendront pas. Alors, comme convenu, leurs dernières volontés seront respectées. Pascal Papé a demandé à ce que ses restes soient enterrés sur la dune du Pilat. Ce sera fait, je le promets. Et Sébastien Chabal désire que son corps soit transformé en saucisson. Ce sera fait aussi. J'ai déjà l'accord de Cochonou. C'est un sport à part, le rugby. Ça se joue beaucoup dans le mental et dans les côtes. Hein.